La charte républicaine doit être signée et tamponnée par les responsables des associations musulmanes, les enseignants et dirigeants de toutes les écoles musulmanes, les chefs de chaque mosquée en France. Séparer la religion de la philosophie de Dieu. Faire connaître à chaque peuple musulman sa richesse culturelle et sa civilisation pré-islamique. Autoriser et accepter la critique sur l'islam. Accepter la liberté d'expression. Accepter l'annulation d'une grande partie des versets du Coran qui sont violents et agressifs et contre les femmes. Et enfin, accepter le fait que l'islam ne peut délivrer aucune loi pour la société laïque et républicaine, que la politisation de l'islam soit interdite.